On est le Seattle français, quoi, tu vois. Il y a plein de villes et de régions comme ça où on a été sinistrés. Et du coup, ça a créé, ça a donné aux gens l'envie de se battre. Moi, je pense pas qu'elle ait un avenir industriel. Je suis dommage, je le rate. Je vais peut-être faire des ennemis en disant ça, mais il y a tellement de concurrence pour avoir des usines. On s'intéresse beaucoup à cette élection parce que la situation à Calais pour les exilés et pour nous dépend en partie de l'attitude de la ville de Calais. C'est assez dur hein, comme situation. Un enfant qui rentre chez lui, il était pas très tard, il devait être 18h ou 19h, qui nous voit en train de coller et qui s'arrête et qui demande si on a à manger parce qu'il a faim. Calais est une ville stratégique. Si Calais tombe et que nous avons Calais, on aura les départements, on aura la région derrière. Bien sûr, Calais est une ville très importante. Il y a toujours des personnes qui ont des ambitions personnelles. On rit ensemble, on travaille ensemble, on va sous la pluie, sous le vent, etc., taper les portes et passer tout le temps nécessaire. L'erreur stratégique que vous avez faite aujourd'hui, c'est que l'élection qui va se présenter, c'est l'élection municipale. C'est l'élection la plus proche du peuple. Aujourd'hui, les gens ne vont pas voter Marine Le Pen. Les gens ne vont pas voter Marine Le Pen. Ils votent pour un mec qui vient de Bretagne. Tu es personne ici. Tu es personne. Moi, je te le dis dans les yeux. Je n'ai fait en sorte sur Calais d'aménager les choses pour que le Front National ou le Rassemblement National n'ait pas d'existence. Calais, dernière ville avant la Grande-Bretagne, dernière ville avant le Brexit, et dans le hit parade des villes pauvres. Dans la première ville du département du Pas-de-Calais, la situation semble gelée. Un chômage toujours aussi endémique avec 24,5% d'inactifs, une ville où 30% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Calais, ville du port, ville du voyage, ville de l'exil. Depuis 20 ans, des dizaines de milliers de personnes ont tenté la traversée via le port ou le tunnel. Pour combien de morts? Des perturbations récurrentes à cause du bidonville qu'ont laissé se développer à côté du port les autorités municipales et étatiques. L'époque de la Grande Jungle, c'est 11 000 personnes, une personne sur 7 à Calais. L'augmentation de la population est telle que la dotation globale de fonctionnement de la mairie augmente. Les migrants, c'est aussi plus d'argent. Mais Calais, c'est aussi, depuis quelques mois, un dragon. Une machine gigantesque qui a fait couler beaucoup d'encre au regard de son prix. Un monstrueux coup de com' dans une campagne électorale ou le réveil d'une ville. À la tête de la ville depuis 2008, quand elle l'apprend aux communistes après le spectaculaire retrait de la liste Front National, Natacha Bouchard sollicite aujourd'hui un troisième mandat. En face, Virginie Quesnay qui a rallié les gauches locales et Marc-Alexandre de Florian pour le RN, fraîchement débarqué cet été. Le candidat découvre Calais, et la rudesse de son premier magistrat. Je n'ai fait en sorte sur Calais d'aménager les choses pour que le Front National ou le Rassemblement National n'ait pas d'existence. Et donc je continue, c'est mon seul adversaire et les autres adversaires, je dirais, sont plutôt parfois des partenaires sur des projets. Et il n'y a qu'avec le RN que je n'ai aucun contact ni aucune envie de partager quoi que ce soit. Mais Calais, c'est aussi la dissidence. Daniel Boulogne, ex-cadre du PS, a rejoint Natacha Bouchard. Rudy Vercuc, conseiller régional et ex-RN, se présente contre Marc-Alexandre de Florian, adoubé par la famille Le Pen. Une situation politique tendue également à gauche, puisque Laurent Roussel, cafetier et dissident LFI, ne s'est pas intégré à l'Union de la gauche. Il y a toujours des personnes qui ont des ambitions personnelles. Monsieur Roussel, je considère qu'il a des ambitions personnelles et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas souhaité rejoindre le Rassemblement de gauche. À Calais, certains voient même un risque mortel dans la présence du Rassemblement National, allant jusqu'à faire alliance avec d'anciens adversaires. J'ai quitté le Parti Socialiste il y a bien 2 ans maintenant, 2 ans et demi même. Et la politique même pour moi était derrière. J'étais simplement un engagé associatif, rien d'autre. Et c'est vrai que les événements, notamment sur les élections européennes et l'arrivée du FN, aussi fortement dans ma ville, ça m'a fait énormément mal et réfléchir. Et donc j'ai fait ce choix-là.
Avec nous, la situation s'est tendue avec Natacha Bouchard et son équipe, suite à notre enquête publiée par Mediacité en février dernier. La maire sortante est dans le rôle de la favorite. Un sondage Ipsos La Voix du Nord la donne gagnante à 56% dès le premier tour, la gauche rassemblée à 25% et le Rassemblement National à 12%. Sondage très discuté par les candidats. Mais Calais, c'est aussi un enjeu national qu'entretient l'attention médiatique et une place forte à conquérir. Calais est une ville stratégique. Si Calais tombe et que nous avons Calais, on aura les départements, on aura la région derrière. Bien sûr, Calais est une ville très importante, et sentimentalement et stratégiquement. Sur le terrain, tout le monde joue gros, et d'abord sur les peurs. Calais est sur toutes les bouches des candidats à l'émigration, dans la Corne de l'Afrique, en Syrie, en Irak, en Afrique du Nord ou encore en Afghanistan. La migration a fait sa réputation. Depuis 20 ans, la ville s'en est fait un problème qui est devenu clivant avec le nombre d'exilés. Après sa réélection en 2014, Natacha Bouchard pousse les feux pour faire sortir les migrants du centre-ville de Calais. Elle désigne la zone industrielle des dunes où, avec l'accord implicite de l'État, un bidonville va s'y développer jusqu'à atteindre 11 000 personnes. Les deux démantèlements qui suivent en 2016 se font dans un cirque médiatique total. Les associations qui portent secours aux exilés sont vilipendées et accusées de vivre sur leur misère. À partir du moment où le nombre d'exilés a commencé à augmenter, à partir du moment où il y a eu des expulsions, et en particulier quand on était expulsé de la rue de Moscou en juillet 2014, les rencontres se sont stoppées. Il y avait un conseil des migrants et ce conseil des migrants a disparu et toute relation a été rompue avec la mairie de Calais, pas de notre fait, de son fait depuis cette époque-là. Au final, le problème est devenu anxiogène, insoluble politiquement et fait le lit de campagnes populistes. Pour certains, les migrants sont responsables du chômage, de l'insécurité. Des manifestations violentes opposent parfois des militants d'extrême gauche et d'extrême droite. Calais devient alors le terrain de jeu délirant d'acteurs étrangers à la ville. De son côté, Natacha Bouchard est recadrée par la justice pour refuser de prêter assistance aux exilés. Le sujet est l'un des enjeux majeurs de l'élection à venir. La situation à Calais pour les exilés et pour nous dépend en partie. Pas principalement, hein. C'est le sous-préfet et le préfet qui dirigent les opérations, mais elle dépend quand même en partie de l'attitude de la ville de Calais. Alors bien entendu, du côté du Rassemblement National, on ne s'attend pas à trouver des mesures favorables aux exilés. On a regardé les deux autres programmes, la seule liste qui parle d'hébergement, d'accueil pour les exilés, c'est la liste Respirer Calais. Dans la campagne, le sujet inspire aux candidats des réponses parfois rudes, même s'il relève avant tout de la compétence de l'État. Du côté de Marc-Alexandre de Florian, c'est un plan zéro migrant, un centre de rétention à 10 km de Calais, des arrêtés anti-bivouac. Le candidat envisage même d'envoyer la police municipale, pourtant pas habituée à ce type d'opération, pour expulser les migrants par la force. Les policiers municipaux en ont vu d'autres aussi. J'en ai vu d'autres à titre personnel dans ma carrière militaire. Il est tout à fait possible d'employer la force, ne serait-ce que par la mise en place d'un rapport de force qui soit suffisamment impressionnant pour permettre l'éloignement physique sans usage de la violence. À l'autre bout du spectre politique, Virginie Kenné, pour sa part, veut dépasser la politique du barbelé, selon elle inefficace et coûteuse. Elle souhaite également la reconstitution du Conseil des migrants, lieu de concertation et de coordination entre tous les acteurs. Je considère que c'est totalement inhumain de laisser des hommes et des femmes vivre dans ces conditions et que ce n'est pas acceptable pour les Calaisiennes et les Calaisiens d'avoir à faire un tel spectacle. Et je pense notamment aux riverains de la route de Gravelines. Natacha Bouchard veut pour sa part recruter 14 agents supplémentaires pour sa police, créer un hôtel de police municipale ainsi que poursuivre le déploiement de la vidéoprotection. Dans tous les cas, le monde économique réclame de vraies solutions. C'est une situation qu'il faut résoudre humainement, mais il faut la résoudre. Les gens qui sont là, on ne peut pas supporter, on ne peut pas leur donner à manger. On ne peut pas savoir qu'ils sont là, on ne peut pas les soigner, on ne peut pas les accepter, leur donner la possibilité de se doucher, etc., et les laisser dormir dans des conditions déplorables. C'est pas logique. Certes, ils ont des excuses, ils sont partis de chez eux, ils ont fait un long voyage, ils sont courageux,
pour l'avoir fait. Donc, il faut, une fois arrivé en France, il faut leur dire, vous ne pouvez pas aller en Grande-Bretagne, vous ne pouvez pas rester à Calais, vous avez le choix. Ou vous venez dans un centre spécialisé pour qu'on vous apprenne le français, pour qu'on vous explique ce qu'est la France. Vous apprenez le français et j'espère que vous pourrez trouver un boulot. Ou alors, vous ne voulez pas, je suis désolé, on vous raccompagne chez vous. Il n'y a pas d'autre solution. Au final, le 13 novembre 2015, les exilés et l'image qu'ils véhiculent vont donner lieu à des dédommagements faramineux. Elle s'est pas trop mal débrouillée pour avoir des compensations financières, donc elle va sans doute continuer à se plaindre pour avoir de l'argent. Elle nous a à deux reprises pondu des arrêtés municipaux d'interdiction de distribution qui ont été annulés par la justice. Bon, peut-être que ça va lui servir de leçon, mais on pense qu'en tout cas, elle va au moins continuer au moins à nous ignorer et au pire, à éventuellement nous mettre des bâtons dans les roues dans notre action humanitaire. En effet, le 13 novembre 2015, sous les auspices de l'État, de la région et du conseil départemental, Natacha Bouchard signe un contrat de territoire fantastique. 155 millions d'euros sur 5 ans, dont plus d'un tiers de l'État dédié aux projets structurants et au soutien de l'économie locale. Malgré ces subventions, le candidat du Rassemblement national conditionne le développement économique au retour à la sécurité, qui selon lui passe nécessairement par l'expulsion des exilés. Ce n'est pas l'avis de son adversaire, pourtant ancien frontiste. Le chômage est une chose, l'immigration en est une autre. Il ne faut absolument pas mélanger les choses. D'ailleurs, les chiffres INSEE le prouvent. Lorsqu'il y a eu un pic migratoire, ce n'est pas là où il y a eu un pic de chômage. Donc c'est faux. Non, vraiment, le problème de l'emploi est lié au développement économique et à l'absence de stratégie de Natacha Bouchard. L'économie reste la principale préoccupation des Calaisiens dans une ville qui ne s'en sort pas. Les boucs émissaires que forment les exilés sont devenus la tirelire de la majorité municipale. Rentière hier avec la dentelle, rentière avec le transmanche, rentière avec les subventions. Calais ne parvient pas à être attractive. Les deux poumons économiques restent le tunnel et le port. Natacha Bouchard essaye de développer à Calais, contre l'âme de Calais, contre l'héritage de Calais, une ville de tourisme balnéaire, de services, alors que la vocation de Calais, c'est d'être une ville industrielle et portuaire. Moi, je ne pense pas que Calais ait un avenir industriel. Je suis dommage, je le rate. Je vais peut-être faire des ennemis en disant ça, mais il y a tellement de concurrence pour avoir des usines. Vous avez à côté Dunkerque qui a énormément de place pour avoir des usines, qui a plusieurs spécialités. Nous, malheureusement, c'était la dentelle, c'était notre industrie, qui a été le grand bonheur et aujourd'hui un petit peu la peine de Calais. Donc, transformer Calais en ville industrielle, conservons déjà les industries que nous avons aujourd'hui. On le dit depuis bien longtemps que la Côte d'Opale a une vocation touristique. Il serait bien maintenant qu'avec tous les efforts qui sont faits et l'argent qui est dépensé, que ça le devienne vraiment. Mais le tourisme avec des murs et des barbelés, c'est forcément moins vendeur. Y a-t-il donc d'autres directions? Les logisticiens recherchent d'abord, dans une plateforme logistique, un rayon terrestre en vide de 100 km. En général, c'est le gabarit qui est retenu pour pouvoir ensuite, à partir de leur plateforme logistique, avoir une distribution à 100 km à la ronde. C'est le minimum qui est demandé. Le secteur prioritaire pour le développement économique à Calais, c'est bien tourner la ville vers la mer, vers son port, avec le développement des métiers de la mer, via le grand pôle des métiers de la mer que j'ai l'intention de créer après mon élection. Il y a 2000 emplois et on n'a personne à mettre en face. Est-ce qu'on peut se permettre, avec un taux de 27% d'emploi, de ne pas réussir à mettre les gens en face? L'entreprise d'hôtellerie-restauration est en train de se dire, finalement, être aussi raide sur mes horaires, sur mes contraintes, c'est peut-être ça qui décourage les jeunes de venir travailler chez moi. Or, on a fait tout un travail avec l'UMI, hein, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, pour dire... Mais qu'est-ce qu'on pourrait changer qui est acceptable pour vous et qui rendrait vos métiers plus abordables, plus intéressants? Nous avons pour objectif d'inscrire rapidement Calais dans le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée. C'est un dispositif qui a été mis en place depuis quelque temps déjà et qui permet de financer des emplois dans un secteur d'activité qui ne concurrence pas des secteurs d'activité déjà en place. Des emplois aidés, un duty free que les candidats sont nombreux à réclamer, et toujours des dédommagements pour réparer le malheur migratoire dont se plaignent les entreprises. Écoutez, je ne sais pas, moi je suis contre l'essaimage d'argent public pour aider les uns et les autres à se développer. C'est le boulot de chacun. Moi quand je sais les subventions qui ont été données à certaines entreprises à cause des migrants,
Je suis assez furieux. La première société qui a le plus pâti des migrants, c'est le port de Calais. 1,5 million de passagers. Je ne suis pas sûr qu'ils aient bénéficié de subventions quelconques. L'attractivité du territoire passe aussi par la fiscalité. Et pour les entreprises, la hausse du versement mobilité, taxe que paient les sociétés pour financer les transports en commun, a fortement augmenté. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'auprès des patrons, la hausse a du mal à passer. En transport, je vais y revenir. Celle-là, c'est une honte. Nous taxer 2%, le port, ça coûte 300 000 euros au port par an, cette nouvelle taxe. Oui, et dans toutes les entreprises calaisiennes, versent. Ça c'est franchement, payer une taxe transport aussi importante avec une hausse de 65%, ça ne s'est pas vu en France. Hein. Donc par conséquent, ne me parlez pas de la taxe transport. Ça ne peut pas être favorable pour faire venir les gens. Nous avons tenté d'interroger Natacha Bouchard à deux reprises sur ces questions économiques. Mais là encore, son cabinet a fait barrage. Je vous dis tout de suite, pour pas que ça se crispe. Mais il n'y aura pas de temps. Ça sera plus spécial. Non, mais je vous connais, Marc. Je sais pas si vous connaissez, en fait. Ah, si, vous connaissez, quand je dis pas ouais. Je vous connais. Moi, j'applique les consignes qui me sont données. Dont acte, nous, on n'est pas fâchés. Dans son programme, la candidate LR-LREM propose de créer une zone franche et espère attirer les entreprises britanniques qui voudraient garder un pied sur le continent avant le Brexit. Elle promet aussi d'ouvrir une ligne maritime directe avec l'Irlande et d'accueillir des entreprises de dédouanement dans une des zones d'activité encore vides en bordure de l'autoroute. Elle compte aussi développer le secteur des services en construisant 12 000 m² de bureaux à Calais. Calais veut se faire belle pour les investisseurs, mais elle a déjà trouvé une parure époustouflante auprès des touristes il y a quelques mois avec un ambassadeur de poids. En construisant la nouvelle grande digue qui multiplie par deux la surface du port de Calais, une pierre a été décellée et une créature fantastique vient de s'en échapper. On a retrouvé des traces sur la plage d'un dragon géant de très très grande dimension. Donc il faut s'attendre à ce que, entre le 1er et le 3 novembre de cette année, un dragon débarque à Calais. À Calais, la culture a donc pris un visage monstrueux. Le dragon fait l'attraction dans les rues de la ville. Natacha Bouchard espère ainsi attirer 400 000 visiteurs par an. 400 000 visiteurs, c'est quelque chose d'assez important en termes économiques, puisque les visiteurs, de façon générale, dépensent une vingtaine d'euros minimum par personne. Donc ça veut dire qu'on ramène l'économie en fait dans la ville, ça veut dire aussi qu'on intéresse des investisseurs, ça veut dire qu'on pourra peut-être avoir des constructions nouvelles, des entreprises nouvelles, on a beaucoup de friches. Peut-être que les investisseurs voudront venir en fait requalifier l'ensemble de ces friches qui sont éparpillées dans l'ensemble de la ville. Un discours qui n'a évidemment pas convaincu les concurrents de la mer sortante. Une fois que les touristes vont venir pour monter à d'autres dragons, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Hein, est-ce qu'ils vont rester quelques jours ? Est-ce qu'on est vraiment dans un dossier, dans un projet qui est réfléchi ? Absolument pas. On est dans un projet qui a été fait dans la précipitation, avec une inauguration qui intervient à moins de 6 mois des élections municipales. Allons. C'est redonner du sens, en fait, et une stratégie, une lisibilité de l'emploi. C'est l'objectif, c'est aussi l'emploi. C'est de cela dont on parle, la fierté des Calaisiens, et de l'emploi pour qu'ils puissent en fait mieux s'exprimer, mieux vivre et être apaisés après toutes les douleurs qu'ils ont pu subir ces dernières années. Si j'ai voté en tant que conseillère municipale d'opposition pour ce projet, c'est parce qu'en 12 années, c'est le seul projet touristique que nous a proposé Madame Bouchard. Le Rassemblement national est lui plus radical et ne cache pas vouloir se débarrasser de l'animal. Alors il y a plusieurs choses que l'on peut faire pour ce dragon. D'abord c'est relire le détail des contrats qui ont été signés avec la compagnie La Machine et François Delarosière. Vérifier s'il y a certaines clauses qui pourraient être utilisées pour réduire le coût catastrophique de cette attraction pour la ville. La deuxième chose c'est réadapter son fonctionnement pour que le rapport
recette, coût soit le moins désavantageux possible. La troisième chose, c'est de chercher un acquéreur, possiblement les Chinois qui fêtent l'année du dragon en 2024. Voilà, trois choses que l'on peut faire très vite pour essayer de se sortir au mieux de la situation dans laquelle Natacha Bouchard nous a mis avec son dragon. Entre le dragon déjà livré, les varans, les iguanes et les spectacles, le coût total de ce projet dépasse les 27,5 millions d'euros. Il est géré par une société liée à la ville qui comble le déficit attendu de près d'un million d'euros par an. Aujourd'hui, qu'on ait préféré investir dans un dragon plutôt que dans un parc d'attractions, moi je préfère qu'on investisse dans ce genre de projet. Après, on n'a pas la même situation géographique que Toulouse et que Nantes. On a inauguré le dragon à une période bien précise, qui est liée évidemment aux élections municipales. S'ils avaient eu le choix d'inaugurer en novembre ou en mai, ils l'auraient fait plutôt en mai, en sachant que du coup ils auraient eu ils auraient été plus en correspondance avec leurs chiffres de rentabilité, ou en tout cas avec ce qu'ils avaient prévu au niveau des chiffres. À cette heure, la campagne du premier tour se termine. Dragon ou pas, Calais aura vécu une élection mouvementée, avec des débats de fond entre deux querelles d'ego et trois coups de com', entre enjeux nationaux et problèmes du bout de la rue. Des enjeux si grands qu'on frisait parfois la foire d'empoigne. Donc t'es pas un Calaisien ? Ah bon ? Alors à partir de quand on est Calaisien ? Ça m'intéresse. Écoute, les gens vont voter pour quelqu'un qui a connu les problèmes. Et t'étais où quand il y a eu Desailly qui a fermé ? Moi j'étais en train de me battre. T'étais où quand Desailly a fermé ? Moi j'étais en opération. Réponds à ma question. J'étais en opération. Je parle pas des opérations. Tu étais où quand Desailly a fermé ? J'étais en train de servir. T'étais pas là. Tu étais où lorsqu'il y a eu la crise migratoire ? Tu n'étais pas là. Tu étais où quand il fallait défendre les salariés du port et l'emploi ? Tu n'étais pas là. Alors, donc voilà le sujet. Est-ce que ça m'intéresse pas ? Ah bon, tu poses des questions. On parle d'un programme municipal. Je ne parle pas de ta vie personnelle. Eh ben justement, si. Non, ça m'intéresse pas. Il y a une cohérence. C'est moi le candidat. Donc il y a une cohérence. Viens pas me dire que tu as été en Afrique. Tu me l'as dit toi-même que tu avais été capitaine dans un bureau porte des Lilas à Paris. Donc on va arrêter le sujet. Mais j'ai jamais dit ça. On va arrêter de discuter. Là, tu diffames. Je dois traquer. Il est permis de douter qu'un dragon vienne sauver Calais de sa léthargie. Si Natacha Bouchard mise sur la créature pour qu'elle devienne un électrochoc afin de permettre à la ville de rebondir, le temps joue désormais contre la candidate qui tient la mairie depuis maintenant 12 ans. Les phénomènes migratoires ne vont pas s'arrêter parce qu'un maire le décrète, et le développement d'un territoire placé au cœur de l'euro-région la plus riche d'Europe ne semble pas inaccessible. Le ou la future maire aura de toute façon fort à faire après une campagne à couteau tiré.